Nous sommes le 26 octobre 2023. Il est 11 h passées à ce moment où je démarre cette petite vidéo. Mon WhatsApp, c'est le 674 96 12 84. 674 96 12 84. Je m'appelle Mbombok Mbok-Matip Emmanuel. Je suis un journaliste d'investigation. Je suis le directeur de publication du journal Climat Social, le président de la Ligue nationale de défense des droits des personnes défavorisées, un activiste camerounais, la voix des sans-voix, un défenseur des droits de l'homme. Je viens ici envoyer le message à certains hommes très dangereux, à certaines personnes très dangereuses, pour leur dire, j'ai déjà entre mes mains des dossiers brûlants contre vous, avec des preuves irréfutables, d'où se trouvent même des vidéos d'où les gens sont en train de faire des rapports sexuels. J'ai des vidéos, j'ai des audios, j'ai des enregistrements, j'ai des photos où les femmes et les hommes sont presque nus, en tenue d'Ève. Et sachez que je vais vous brutaliser avec mes vidéos, avec mes voix, avec mon journal Climat Social. Je voulais envoyer un message à monsieur le commissaire de police, à la délégation générale à la sûreté nationale, au nom de mes voix, Vincent de Paul, mes voix, Vincent de Paul, qui est commissaire chargé d'études numéro 2, dites à mes voix qu'il a trop abusé les gens, j'arrive. Dites à mes voix, le commissaire de mes voix, chargé d'études numéro 2 à la délégation générale à la sûreté nationale, que j'arrive. Mes voix, Vincent de Paul, j'arrive. Dites à un Ivoirien appelé Fénol Kouassi, dites à un Ivoirien au Cameroun appelé Fénol Kouassi, qui est en train de faire les gaffes au Cameroun, qui met mal à l'aise certains Camerounais. Je n'ai rien contre les Ivoiriens, nous sommes tous des frères et sœurs africains. Mais dites à l'Ivoirien Fénol Kouassi, un ancien employé au Paris-Foot, appelé X-Bet, dites à monsieur Fénol Kouassi que j'arrive avec toute sa bande. Dites à monsieur Paul Désibia que j'arrive. Tu as tourné toute ta vie, je te tiens déjà entre mes mains. Dites à Paul Désibia que j'arrive. Dites à Sébastien Ebala que j'arrive. Dites à Lolo Foja, une blogueuse, que je suis en train de venir. Dites à monsieur le colonel Émile Joël Bancuit que je suis en route et je serai brutal. Je serai brutal envers toi, monsieur le colonel Émile Joël Bancuit. Je serai brutal envers tes deux indiques, c'est-à-dire Paul Désir Biya et Sébastien Ebala. Je serai brutal envers madame Lolo Foja, une blogueuse. Madame Lolo Foja, j'ai tes vidéos, j'ai des enregistrements, j'ai beaucoup de choses contre vous tous. Alors, je suis en route. Dites à Lilian Koulou, que je suis en route. Lilian Koulou, je suis en route. Si vous le connaissez, dites-lui que je suis en route. Il n'y aura pas de retour. Dites à monsieur Ndjala Yoni. Monsieur Ndjala Yoni. Dites à monsieur Ndjala Yoni, alias Yonidas, que je suis en route et j'ai des preuves contre vous. Monsieur Ndjala Johnny, maître chanteur. Monsieur Ndjala Johnny, alias Johnny Das, maître chanteur, je suis en route. Alors, je répète, à dire, dites au commissaire Meva, chargé d'études Meva, Vincent de Paul. Commissaire de police Meva, Vincent de Paul. Chargé d'études numéro 2
à la délégation générale à la sûreté nationale que je suis en route. Dites à l'Ivoirien Fénol Kouassi, qui a travaillé à Inzenbet, que je suis en train de venir. Dites au neveu de M. Jean-Pierre Amokoubelinga, appelé Nzala Yoni, alias Yoni Das, que je suis en train de venir. Dites à M. Lilian Koulou que je suis en train de venir. Dites à Émile Joël Banque, le colonel, que je suis en train de venir. Dites à Paul Désir Biya, à Sébastien Ebala et Lolo Foja, une blogueuse, que j'ai tout entre mes mains et je serai